Jordan, Air Jordan ou encore Jordan Sneakers, un bébé adoré qui porte de nombreux noms. Mais nous savons tous de quoi il est question, les chaussures Nike créées et promues par Michael Jordan lui-même. Le battage extrême autour de ces chaussures explique probablement la valeur nette de Michael Jordan qui représente une fortune énorme de 2 milliards de dollars. Dans cette vidéo, nous allons voir les Jordan les plus chers jamais créés. La plupart d'entre nous n'en posséderont malheureusement jamais une paire car elles sont fabriquées à de très petites quantités. Mais nous pouvons au moins apprécier les photos incroyables de ces chaussures et quelques faits amusants les concernant. Alors, asseyez-vous confortablement et c'est parti pour la vidéo. Numéro 10, la Air Jordan 1S. D'un simple coup d'œil, je suis sûr que vous pouvez comprendre que ce que vous regardez est une paire de chaussures coûteuses. C'est exact, ces Jordan sont recouvertes de plus de 15 000 cristaux d'or. Les chaussures ont été créées par Daniel Jacobs qui a redessiné une paire de Jordan de 1985 en y rajoutant du métal de luxe. Alors, pas très étonnant que la paire se vende à 6 500 $. Numéro 9, les Air Jordan 5 Original. On pourrait penser qu'il n'est pas aussi cher que cela étant donné qu'il n'y a pas un gramme de métal coûteux sur cette chaussure. Mais ce serait une pensée très fausse. Car cette paire de Jordan est presque deux fois plus coûteuse que la Air Jordan 1S à 15 000 cristaux d'or. Cette paire de chaussures doit être respectée par tous les fans de Jordan. Car ce que vous avez sous les yeux est le père, l'original, le grand-papa de la lignée 5 de Jordan qui compte plus de 100 variations différentes. Michael Jordan, le combattant qu'il est, a conçu ses chaussures apparemment en passant à la Seconde Guerre mondiale. Pas étonnant qu'on sait qui il est. Pour les fans de Jordan qui regardent cette vidéo, vous pouvez vous procurer la Air Jordan 5 au prix de 10 000 $ en magasin. Numéro 8, la Air Jordan 17. Cette Air Jordan a été initialement lancée en 2002 à l'époque où Jordan jouait pour les Washington Wizards. Elle a été marquée par le retour de la légende du basketball dans la NBA après une brève période d'absence. Ces baskets se caractérisent par leur design lisse et sophistiqué. Elles étaient dotées d'un châssis amovible couvrant presque la moitié de la chaussure. Ces chaussures avaient également un étui métal embossé Jumpman et une boîte à chaussures très à la mode pour ceux qui pouvaient se les offrir au prix de 11 267 $. Numéro 7, Air Jordan 10 OVO. Une paire de chaussures noires, méchantes et dangereuses. On dit que celui qui les porte reçoit la force d'une panthère. Vous pensez que c'est la seule raison pour laquelle elles sont à 20 000 $? Eh bien non, ces Jordan sont une édition extrêmement rare qui ont été créées dans le but d'être un cadeau pour Drake lui-même. Elle a été soigneusement conçue pour mieux lier et renforcer l'entreprise de Jordan avec celle de Drake. Pas étonnant que les chaussures soient d'une telle qualité donc. D'une manière ou d'une autre, un fan s'est retrouvé avec ces Jordan, qu'il les ait reçus par hasard ou qu'il les ait volés, reste un mystère. Il a cependant décidé de les mettre immédiatement sur eBay et elles se sont rapidement vendues pour 20 000 $. Ce qui en fait l'une des Jordan les plus chères du monde. Numéro 6, la Air Jordan 11. Cette paire de Jordan est l'une des paires de basket les plus populaires auprès des fans de basketball. La raison en est que ces chaussures sont soigneusement conçues pour être stables et légères, tout en offrant un soutien pour la vitesse des sauts élevés lors de la pratique sur un terrain de basket. Michael Jordan a lui-même déclaré que cette paire était l'une de ses préférées et qu'il la portait lors d'un championnat de la NBA. C'est sans doute ce qui explique leur prix élevé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Préparez-vous bien car la prochaine paire de Jordan sur cette liste va vous étonner. Numéro 5, la Jordan Edition 1 autographiée. Il n'y a pas beaucoup de Jordan de la première édition originale et le prix d'une paire normale de ces chaussures vous coûtera un bon millier de dollars. Mais une paire signée vous coûtera beaucoup plus. Si vous êtes prêt à mettre la main sur une paire de Jordan signée par Michael Jordan lui-même, en combinaison avec une édition ultra limitée, eh bien vous avez deux options. Numéro 1, essayez d'obtenir une main de Michael Jordan puis lui demander, ou payer la somme astronomique de 25 000 $. Alors le choix vous appartient. Passons maintenant au numéro 4. Numéro 4, la Air Jordan 2 OG. Cette paire de Jordan a probablement l'histoire la plus mystérieuse de toutes les nombreuses théories et conspirations qui ont été créées en conséquence. Laissez-moi vous expliquer. Les Air Jordan 2 ont été lancés par Nike dans les années 80 et n'étaient pas très populaires à l'époque. Ce n'est que lorsque le designer Bruce Kilgore a créé son propre design par rapport à cette paire de chaussures, sans être lancé officiellement ni soutenu par Nike, qu'elle a explosé. Personne n'a pu confirmer l'originalité ni même la qualité de cette Jordan. Malgré cela, la paire est partie à un prix extrême sur eBay pour 31 000 $. On dit que la raison élevée de ce prix est l'incroyable difficulté de recréer ce modèle et qu'elle serait trop chère à reproduire pour Nike. Si vous mettez la main sur cette paire de Jordan, vous ne trouverez pas beaucoup de personnes portant les mêmes chaussures similaires aux vôtres. Assez de trucs bon marché,
il est temps de s'intéresser aux chaussures vraiment coûteuses. Numéro 3, la Air Jordan Silver autographiée. L'incroyable Jordan Silver. Voulez-vous démarquer avec vos chaussures? Eh bien, voici comment faire. Portez ces Air Jordan Silver extrêmement rares et ajoutez-y une signature de Michael Jordan tant vous y êtes. Cette paire de chaussures a été offerte à Michael Jordan par sa femme pour son 32e anniversaire. Elle avait fait une petite cérémonie afin de présenter ses chaussures plaquées argent de haute qualité. Elles sont faites d'une fine matière argentée carbonisée, ce qui rend les chaussures capables de supporter presque toute chaleur présente. Il n'existe aujourd'hui que 10 paires de ces chaussures, ce qui explique probablement le prix extrême de ces chaussures signées. Numéro 2, la Air Jordan 12 OVO. Assez papoté maintenant, il est temps de sortir les gros calibres. Vous vous souvenez de la Air Jordan 10 OVO de tout à l'heure, le cadeau de Drake? Sinon, rentrez quelques minutes en arrière maintenant. Quand vous aurez fait ça, oubliez-la, immédiatement. Parce que ces chaussures, mesdames et messieurs, valent 3 fois ce qu'une personne moyenne gagne aux USA en une année. Les Air Jordan 12 OVO ne sont ni signées, ni estampillées, mais présentent un métal plaqué or sur les côtés ainsi que sur les œillets supérieurs. On dit qu'elles sont les seules de ce type dans le monde et se vendent pour la somme incroyable de 100 000 $. Avant de vous montrer la Jordan la plus chère du monde, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car ce serait dommage de rater d'autres vidéos comme celle-ci, publiant chaque jour de nouvelles vidéos. La première place de ce classement revient à la Jordan 12 Flu Game. Les Jordan les plus chers du monde, ces chaussures ont été surnommées les baskets de la grippe, car Michael Jordan a joué pour les Chicago Bulls lors de la finale de la NBA en 1997. Malgré le fait qu'il avait la grippe, il a réussi à marquer 15 points, menant son équipe à la victoire contre le Utah Jazz. Les Jordan 12 sont les chaussures qu'il portait. Des rétros de ces chaussures ont été vendus pour la somme énorme de 104 000 $, mais on dit que les gens lui ont offert 300 000 $ pour ses originales, qu'il ne vendra probablement pas de sitôt étant donné l'incroyable histoire qui se cache derrière cette paire de chaussures.